Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je fais en cas de stress, d'anxiété, en cas de panique, bref, tout ce que vous voulez. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que je vous avoue que j'ai quand même pas mal passé de temps. J'essaye de plus en plus de faire des progrès en ce qui concerne les montages de mes vidéos et la qualité surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo, surtout si vous voulez m'encourager. Voilà, je laisse tout de suite. Dès que je me sens un peu nerveuse ou stressée, généralement j'attrape mon roll-on SOS de chez Léa Nature. Je l'applique dans le creux de mes poignets, mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser sur l'arrière de vos oreilles ou directement sur votre plexus solaire. Ce roll-on est composé d'une synergie de 7 huiles essentielles choisies pour apaiser les états de stress. Il y a une application que j'aime beaucoup aussi, c'est Cardia. C'est une réelle étude qui fait ses preuves. En fait, elle régule votre fréquence cardiaque, le but étant d'inspirer lorsque le cercle grossit et d'expirer lorsque celui-ci se dégonfle. Vous pouvez changer les sons, les couleurs. C'est vraiment une application que j'adore. En plus, elle est gratuite et est disponible sur Android et sur l'iPhone. Alors, je vous encourage aussi à prendre soin de vous, à vous maquiller, vous dorloter. Voilà, tout simplement prendre du temps pour vous. Je ne me maquille pas tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir avec un joli maquillage. Prendre voilà, le temps de m'habiller, de m'apprêter, choisir des jolis vêtements. Pourquoi pas accessoriser mon look également avec des petits détails comme des boucles d'oreilles. Et ma folie, me parfumer. Bon, là j'avoue, j'ai un gros faible pour ce parfum. J'en mets la dose. Un maquillage tout simple, une peau saine et des cheveux soignés. Et vous êtes d'attaque pour la journée. C'est vrai que ça peut paraître un peu superficiel, mais je vous assure qu'à petite dose, ça fait un bien fou et au corps et à l'esprit. Personnellement, ça me donne confiance et j'ai vraiment l'impression d'éloigner finalement le stress de la journée. Ce qui m'aide énormément à vaincre mon anxiété aussi, c'est justement de lire des livres qui en parlent. Et vraiment ce bouquin, il est super bien expliqué, je l'ai trouvé à Cultura. C'est de la gamme C'est Malin en format poche. Et vraiment, voilà, il va m'aider finalement à mettre un mot à mes angoisses, à mes peurs, mes doutes. Et généralement, quand j'ai terminé de lire mes quelques pages, je me sens déjà beaucoup mieux. Ce sont des livres qui sont vraiment accessibles. J'ai dû l'acheter, je crois, 6 ou 7 euros, je ne sais plus trop. Je vous mettrai le prix dans la barre d'infos. Et voilà, je suis super contente parce que c'est vrai que de plus en plus, j'arrive à vaincre ces fameuses angoisses. Et généralement, ça se termine comme ça. Alors, le livre, j'ai envie de dire THE livre. Là, c'est vraiment le pouvoir du moment présent. J'exagère pas, mais il a vraiment changé ma vie. J'ai commencé à le lire, je me rappelle très bien, c'était dans le train, je devais aller sur Paris pour rejoindre une amie. Et il a clairement métamorphosé ma vie et ma perception de voir les choses. Et vraiment, lui, si vous avez un livre à lire dans votre vie, je vous conseille vraiment de lire ce livre, Le pouvoir du moment présent. Je vous assure, effet garanti. Alors, ça c'est un petit truc à moi, mais c'est vrai que j'aime bien faire des selfies. Ça m'amuse, je prends souvent un peu tout en photo, je trouve ça rigolo. Quand c'est le moment de partir, par exemple, que ce soit pour le travail, un entretien ou tout simplement pour aller rejoindre une copine, mais dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de prendre la voiture, j'ai envie de me sentir bien au volant, j'ai un petit truc que je vais vous montrer. Bon, déjà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas forcément conduire seule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas parce que j'ai eu un accident, voilà, il ne m'est jamais rien arrivé de grave sur la route. Mais voilà, depuis quelques années, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise quand je me retrouve seule au volant. Et voilà, ça s'explique pas.
Donc voilà ce que j'ai. Donc en fait, c'est un parfum soin à la rose de chez Alteara. Et c'est vraiment super ça. Vous en mettez simplement deux pchites dans la main. Bon, j'attache la ceinture, je respire. Et là, c'est bon, je suis détendue pour la route. Quand je rentre à la maison, ce que je fais aussi directement pour me sentir bien, sans stress, c'est que je vais directement enlever mes chaussures. Voilà, je vais laisser respirer mes pieds qui ont été enfermés toute la journée au travail. Et là, ça va être un petit moment câlin avec Soja. Voilà. J'aime bien prendre le temps de faire des câlins à mes bébés quand je rentre, ça me détend toujours, c'est génial. Aussi, quand vraiment je me sens un petit peu stressée, généralement je vais me préparer une petite infusion. Alors là, c'est des infusions détentes et ça, c'est effet garanti aussi avec de l'eau chaude. Je vais vraiment prendre le temps de savourer cette petite infusion. C'est voilà, c'est un petit moment que j'aime m'accorder quand je rentre du travail. Et après, généralement, je vais prendre une bonne douche puisque je n'aime pas rester habillée en habit en fait avec lesquels j'ai été dehors. Ok, ça c'est mon côté un petit peu maniaque. Alors, mon dernier conseil, enfin en tous les cas, moi ce que j'aime faire et ce qui me détend par-dessus tout, c'est vraiment d'aller dehors, prendre le temps de regarder la nature. Voilà, simplement écouter les bruits, les oiseaux. Tout simplement voilà, se poser puis regarder les petites choses simples qui nous entourent et voilà, simplement respirer. Ce qui me détend aussi, c'est de prendre des photos des fleurs, voilà, m'imprégner un petit peu de ce décor, regarder les petits insectes, simplement être en harmonie avec la nature. Et voilà, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, même si vous n'avez pas de jardin, allez dehors et prenez l'air. J'aime bien aussi faire des petites constructions pour les oiseaux, donc y mettre des graines pour qu'ils puissent manger. Voilà, j'adore faire des petites choses comme ça, donner à manger à la nature, aux oiseaux. Enfin bon, ça c'est un petit peu mon côté youyou. Le fait de vous sentir proche de la nature, vous vous sentirez proche de vous aussi. Et c'est tellement magnifique en fait de vivre en harmonie. Et voilà, moi ça me détend et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille également. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en bas dans les commentaires si vous aussi vous avez des conseils à me prodiguer, en cas de stress ou de panique. Voilà, moi je suis toujours preneuse hein, pour ce genre de conseils. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye!